Et salut à tous et bienvenue sur KO Gaming, c'est KO, on se retrouve ensemble pour le tournoi Tekken Tag Tournament 2 en solo, en survie. Et la dernière fois, nous avions fait passer tout le monde en survie au passage initial, donc nous avons tous les résultats et évidemment, comme toujours, nous allons faire le départage de tous ceux qui ont été ex aequo, c'est-à-dire la majeure partie des combattants. Seuls deux personnages ne repasseront pas, ne seront pas départagés. Il s'agit du quatrième, classé quatrième sûr, ce sera le Dr Boskonovic avec ses 9 victoires sans défaite. Il est seul à ce seuil, 9 victoires, donc quatrième. Et évidemment, le premier, le grand et l'unique, Jaxis, qui a fait 15 victoires sans défaite tout seul, c'est juste exceptionnel et qui est évidemment classé premier de cette discipline, hein, de ce mode survie en solo sur Tekken Tag 2, le troisième à l'Intertekken qui est évidemment déclaré vainqueur de cette discipline. Mais si on a le premier et le quatrième, évidemment il reste à départager tous les autres. Et donc comme à notre habitude, nous allons départager tout ça avec le fameux combat en équipe. Alors je vais... Ah, j'ai oublié de... Alors attendez. Je vais changer le niveau de difficulté parce que si on est encore en moyen, ça va être la merde. Donc là, ça va être vraiment de la mort subite à proprement parler. Vu la difficulté du soft, quand vous êtes un combattant face à deux, de toute façon, là, en plus, on va être à 2 contre 2, donc la vie de nos propres personnages vont être beaucoup moins... Enfin, elle va baisser beaucoup plus vite. Donc, je dois en battre 2, parce que normalement, c'est du 2 contre 2, mais je ne vais pas me servir du partenaire. Et donc, ce sera du 1 contre 2, et donc, en plus, je ne bénéficierai pas du regain d'énergie en résistance. Et j'ai mis en difficile, donc ça risque d'être normalement assez cash, comme on dit. Et bah allez, c'est parti, je vous ai fait une petite surprise. En plus de ça... Je vais quitter la sélection. Et la petite surprise, vous l'avez certainement entendu, voilà, c'est ça. J'ai changé les musiques de ce Tekken Tag Tournament 2. Et donc à la sélection du personnage, vous avez reconnu très certainement la musique de sélection de personnage de Tekken 4. Oui, effectivement, en DLC, j'avais acheté, parce que c'était pas évidemment fourni avec le jeu, vous pouviez acheter séparément en DLC les musiques de tous les Tekken précédents, hein, tout simplement. Et moi, j'avais acheté le pack musique du Tekken 3, du Tekken Tag 1, et du Tekken 4, donc vous risquez de retrouver des musiques de ces trois épisodes de légende. Je n'ai pas acheté le Tekken 1, le Tekken 2, le Tekken 5 et le Tekken 6, tout simplement parce que ces opus m'ont moins marqué dans ces musiques que les trois précédemment cités, donc dans tous les terrains qu'on avait parcourus. Maintenant que vous avez entendu les musiques originales de ce Tekken Tag 2, et bien dans l'ensemble des terrains, vous allez entendre les musiques que j'ai sélectionnées des opus précédents. Voilà, ça c'était la petite information du jour. Allez, nous allons donc départager tous les personnages, et donc on va commencer par ceux qui ont fait une petite victoire à leur actif sans défaite. Il y a 4 personnages qui ont fait un win seulement. Et il va y avoir donc un duel donc entre 4 personnages. Il va s'agir de Miguel, de Violet, de Angel et de Jinpachi. Sur ces 4-là, un n'est pas classé, il s'agit de Jinpachi. Sur les 3 autres, donc Miguel, Violet et Angel, il va y avoir donc un duel entre le 20e, la tête de série numéro 20, Angel,
la tête de série numéro 11, Miguel, et la tête de série numéro 9, Violet. Autant vous dire quand même que c'est quand même des personnages qui ont marqué dans le tournoi. Et malheureusement, vous avez vu qu'ils sont quand même très bien classés et ils n'ont fait que un win. Donc, comme quoi, le tournoi Tekken, c'est dans la longueur et pas dans la performance d'une seule discipline. Allez, on commence du coup donc avec Miguel. Miguel, donc face à Paul et Marduk, le docteur Boskonovic ne viendra pas en aide. Allez, bah c'est parti. Et nous sommes donc en difficile, comme vous l'avez vu. Et vous avez reconnu le thème d'Eddie Gordo de Tekken 3 sur ce stage. Alors, si j'avais acheté les musiques de Tekken 5, j'aurais mis le thème du Cool Side. C'est peut-être l'une des seuls thèmes que un des seuls thèmes de Tekken 5 que j'aime bien. Celui où il y a Lee qui est en train de bronzer. C'est celui que j'aurais mis si j'avais eu les musiques de Tekken 5. Yo me encargo de esto. Allez, pour l'instant, premier wins. Final round. Là, et ben là, vous avez reconnu la musique emblématique du thème de Tekken 3, celle de Jin Kazama. Ce thème qui a été remixé dans ce terrain même. Et c'est bon pour Miguel qui signe donc son deuxième point avec en plus un Sébastien j'allais dire endommagé, mais donc très blessé, ce n'est pas une machine. Alors face à Ancien Ogre, il va falloir faire attention de toute façon puisque les vies de Miguel commencent à baisser fortement. Donc là vous avez reconnu le thème, un des thèmes du Tekken Tag numéro 1. Celui à l'entrée du temple. Oh putain. Bon, et ben il lui restait quasiment rien à Ogre. Alors, pour Sébastien, ça s'est remonté à 1,5 plus, j'ai vu. Et Ogre, il lui restait vraiment rien. Je vais mettre moins un kick. Voilà. Ah, cela dit, je peux peut-être me... Ah, peut-être que je peux me baser sur les vies reprises, plutôt. Ouais, c'est ça. Donc, Ancien Ogre, je vais faire ça, plutôt, parce que sinon, je vais me mélanger... Donc, ouais, il reste un tiers. Donc, je vais pas mettre un kick. Alors, il y a deux tiers d'enlever. Donc, vous avez reconnu le thème musical de Nina Williams en arcade, cette fois-ci, le mode arcade. Et un demi moins, un demi plus enlevé à Sébastien. Sélection de personnages, on continue. Bon. 8 évidemment, et là nous allons continuer avec le 9ème après le 11ème d'Intertaken. Le 9ème, il s'agit de Violet. Ah bah tiens, j'allais dire en couple, non, en équipe avec Angel, mais non. Get ready for the next battle. Ok, oula, c'est pas un bon tirage, hein, Bake et Raven. C'est pas bon. Et donc là, vous avez reconnu le thème principal du school. Ok. Donc le school de Tekken Tag 1, hein, qui avait été remixé. Tekken Tag 2 aussi.
Rien des deux thèmes à avoir été remixé avec celui de Tekken 3 de Jin Kazama que l'on a vu tout à l'heure. Voilà, c'est les seuls. Hein. Et donc Violet qui a son premier point. Get ready for the next battle. Et donc pour battre Miguel, il faut déjà un deuxième point sûr. Donc battre soit Bake, soit Angel. Final round. Fight. Donc là, vous avez reconnu le thème. Alors, vous avez reconnu. C'est le thème de Ogre de Tekken 3. Mais du mode arcade. Enfin, du mode arcade. De la version arcade. Donc des bornes, hein, bien entendu, vous avez compris. Oui, parce que les thèmes de Tekken 3 et de Tag, d'ailleurs, n'ont pas les mêmes musiques en fonction de... Enfin, la même version de musique en fonction de la borne d'arcade ou de la version PlayStation. Ce qui ne sera plus le cas à partir de Tekken 4. Et donc là, c'est le thème de Nina Williams, encore. C'est d'ailleurs le seul thème que j'ai mis deux fois, mais cette fois-ci en version PlayStation. Oh là là. Oh là là. Et c'est le troisième point pour Violet, et ça passe ric-rac. Et donc, avec cette, ce coup de pied ric-rac, il réussit à battre Miguel dans ce départage. Évidemment, il reste Angel et... comment il s'appelle. Oula, oula, la, la, la. Oh, genre, la carcasse en se retournant, je la touche pas, quoi. Alors là, je suis très surpris. Donc là, c'était le thème de Lei, mais pareil, version bande d'arcade de Tekken 3. Bon, eh bien, j'ai mes 3 points. Alors, on va regarder les vies enlevées. Les vies reprises. Ah, oh, bah, c'est moitié-moitié, hein. Il n'y a pas à tortiller. C'est facile. Un demi. Un demi. Jinpachi a repris des vies. Allez, on est reparti cette fois-ci avec Angel. Vous l'avez compris. Angel. Et Angel, elle est 20e, comme je l'ai dit. Get ready for the next battle. Et donc, bon, avec un Tiger, mais ça ne compte pas, vous le savez, vous avez très bien compris. Final round. Donc voilà, ouais, de toute façon, vous avez vu, hein, tous les scores que je fais sont meilleurs que les scores de survie, hein. Mais en même temps, le personnage qui n'est pas battu... Le personnage qui n'est pas battu reste en lice avec un petit peu de vie retrouvée. C'est ce qui fait la différence par rapport au mode survie. Donc c'est, entre guillemets, plus facile. Allez, Bruce, ancien ogre. Allez, pour Angel. Ouf. Ça passe. C'était difficile pour Angel pour ce deuxième point. Mais ça passe. Elle égalise donc en nombre de points avec Miguel. Encore faut-il atteindre le même nombre de points de vie qu'il a enlevé à ses adversaires. Final round. Fight.
et le coup de boule magnifique. Vous avez reconnu le thème. Authentic Sky de Tekken 4. Et c'est foutu pour Angel. Donc c'est le thème sur les toits. Et donc à mon avis, Angel, après vérification bien sûr, ne sera pas devant Miguel, je pense. Non, bah j'ai enlevé un. Ouais, à peu près... Moitié moins, pardon. Un demi moins. C'est pas tout à fait les... Ouais, c'est ça. Donc, Angel. Un demi moins. Donc, j'ai enlevé un peu moins de la moitié des vies des personnages en lice. Donc, Angel, pour l'instant, eh bien, perdante hein, de ce duel. Il reste encore l'ancêtre Jinpachi. Sa première participation. Qui, à mon avis, joue peut-être pour la dernière place de ce classement. Alors déjà, dans cette discipline, mais dans le classement général, hein, puisque Jinpachi n'a jamais fait de score excellent. Malgré tout, on va voir s'il arrive à battre les scores de Angel, de Miguel et de Violet. Pour l'instant, ce premier wins est parfait. Ce premier point, pardon, pas win. Parce que les wins, c'est trop tard. Mais ce premier point est validé pour Jinpachi. De toute façon, les deux premiers points sont obligatoires hein, s'il veut rivaliser avec les autres. Donc, il faut vaincre soit Bob, soit Brian, obligatoirement. Final round. Fight. Wow. Et ben, c'est comme ça qu'on aurait aimé voir Jinpachi en survie. Hein. Et pas avec ce petit win à la con, mais là, combat parfait de l'ancêtre Mishima. Face à Léo. Donc, déjà, on va jouer le classement entre Violet, Angel et Miguel. Et c'est bon, ça passe pour Jinpachi qui égalise avec Violet. Et donc c'est une certitude, Angel sera la dernière du classement survie et Miguel avant-dernier, 58e pour Miguel et 59e pour Angel. I accept my fate. Maintenant il s'agit de se battre pour la 56e place. Qui de Violet ou de Jinpachi sera 56e. Et bien ce sera Jinpachi bien sûr. Avec ses 4 points. Et bien le... Celui qui était le moins favori remporte le duel. Donc 57e Violet et donc 56e Jinpachi Mishima. Qui, on va dire, sauve les meubles. Mais est beaucoup plus performant dans les départages que... Enfin, beaucoup, ouais, remarquons, dans la mode survie en équipe, il aurait pu être 24e sur 29.
Ouais, non. C'était pour le sport. Il aurait pu être 24ème sur 29 et fini 28. Hein, donc, bon. C'est la première fois que Jinpachi domine quelque chose. Allez, du coup, on barre les scores de ces 4 participants. Don't forget about me. Et on passe au duel des deux. Oh, on a 20 minutes déjà. Alors, le duel des deux, oh là là, en plus, il va être extrêmement long. Donc, on peut commencer, sélection de personnages. Donc là, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, il y a 8 ex-echo. Je vais vous dire les noms. Il s'agit de Ganryu, il s'agit de Asuka, de JC, de Anna Williams, de Panda, de Bruce, de True Ogre et de Marduk. Voilà, c'est ça. Les deux victoires. Donc pareil, hein. On va commencer, on n'aura pas le temps de terminer. Évidemment, le vainqueur de ce duel sera 48e et le grand perdant 55e. Donc ça fait quand même un bon paquet de monde. Nous commençons donc avec le premier qui est passé dans ce mode survie en solo. Il s'agira de Ganryu avec ses deux victoires qui, je pensais, allait être eh bien, seul dans cette position. Mais malheureusement, non. C'est triste, mais c'est comme ça. Donc le plus grand duel se fera, le plus grand départage se fera sur les 5 wins. Non, c'est pas bon. Allez, vous avez reconnu le thème de Ogre, mais cette fois-ci dans Tekken Tag, premier du nom. Alors c'est la version arcade là aussi. Pas la version PlayStation. Et premier point pour Ganryu. Validé. Pour ce combat. Cette fois-ci, nous allons nous battre face à Nina. Et évidemment, pour Akuma, bien sûr, avec ses vies enlevées. Avec le thème de Xiaoyu de PlayStation, cette fois-ci. De ce Tekken 3, que vous avez reconnu. Et deuxième point validé pour le Suotori Ganryu. Ganryu qui a tout à gagner, hein, évidemment. 40e au classement Intertekken, 28e en survie en équipe. Et 22e en contre-la-montre en équipe. Je rappelle que les classements équipe, c'est sur 30, hein, et pas sur 59, bien entendu. Et c'est pas bon. C'est terminé pour Ganryu. Pour l'instant, ça se cantonne entre 2 et 3 points, hein, évidemment. Bon, les autres sont validés, hein, y a pas de distinction avec Ganryu et les 4 premiers qu'on a passés, puisque les 4 premiers n'avaient que une victoire sans défaite. Là, nous sommes passés aux 2. Vous l'avez compris. Alors, je suis à moitié plus pour ancien ogre. Donc un peu plus de la moitié. Et je dirais bah, moitié moins pour Kuba. Voilà. Alors que c'est que son personnage. Le pseudo trou ogre s'en prenait plein la tronche. On continue. Et cette fois-ci, on va passer à Asuka Kazama. Asuka Kazama, donc 50e au classement Intertekken, mais 4e en survie en équipe,
Donc là, c'était une très très belle performance et 14e en contre-la-montre. Donc elle avait plutôt assuré jusqu'à maintenant. Elle était dans la première partie des classements, dans les deux premières disciplines de ce Tekken Tag 2, et qui malheureusement aura sombré sur cette première épreuve en solo. Déjà mise en difficulté là, Asuka, clairement. Je valide le premier point. Elle est ici. Mais clairement, ça va être quand même compliqué pour Asuka, là, qui a mal démarré son combat. De faute, au fait que j'ai fait des coups trop loin, à trop grande distance. On verra. Oh. C'est bon, ça passe pour le deuxième point d'Asuka. Donc qui égalise avec le nombre de points que gagne Ryu. Pour être sûr de passer devant lui, il faut battre soit Jinpachi, soit le docteur Moskovovic. Un combat avec des vieux. On verra. Le thème de Warang. De Tekken 3 en mode arcade. Putain. Bon. On n'a pas validé le troisième point malheureusement, mais je pense que les vies des protagonistes seront en dessous de ce que Ganryu a fait. On va voir sur les adversaires restants de Ganryu, il y en avait un qui avait une moitié de barre, un peu moins d'une moitié de barre enlevée, un petit peu plus d'une moitié de barre enlevée. Ici nous sommes largement en dessous. Hein. 3 quarts pour Jinpachi. Et l'autre, un petit peu plus, je dirais 2 tiers enlevés. Donc avantage à Asuka. On a 27 minutes, on peut continuer au moins encore une personnage avec une nouvelle entrante. Il s'agit de JC. Avec ses 2 victoires également. JC qui a fait une 13e place en survie en équipe. Et je crois que c'était un peu moins bon en contre-la-montre. Et 23e, c'est ça, en contre-la-montre. Donc on est sur du milieu. Hein. Malheureusement, ça baissera considérablement son classement. Même si elle gagne. Hein. Stylé en noir comme ça là. Bim. Car oui, le gagnant de ce duel en 2 victoires sera que 48e. Donc si on vise le milieu du classement, évidemment, il faut être 30, 31, c'est à peu près la moitié. Parce qu'il y a 59 combattants. Donc là, évidemment, on est déjà bien en dessous du milieu. Évidemment, le vainqueur de ce départage de 2 victoires atténuera un petit peu l'échec. Il y a quand même beaucoup de concurrents. Nouveau point pour JC. Et vous avez reconnu le thème du Onmaru de Tekken 4. Get ready for the next battle. Bon, normalement, le tirage devrait être favorable pour JC. Ah, il me remet Jinpachi.
pour longtemps. Et Jinpachi n'aura pas le temps de revenir et JC prend la tête de ce duel avec ses 3 points. Get ready for the next battle. Et oui, je rappelle que JC, ce sera le seul tournoi qu'elle fera. C'est le Tekken Tag 2. Donc elle a plutôt intérêt à être le mieux classée possible, évidemment. Là, évidemment, je me suis... Alors, il y a une barre pleine, déjà, ça, c'est sûr. Donc, full. On va voir la vie de Jinpachi restante, qui sera restée tout le long de ce passage. Et on est à 30 minutes, donc on va s'arrêter ici, les amis, bien sûr. Jinpachi, on est sur la moitié. Moitié pile. Voilà. Bon, et bien écoutez, j'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez surtout pas à commenter, à partager, à liker, à vous abonner à la chaîne, évidemment. On continuera le départage des 2 victoires sans défaite la prochaine fois. Il restera à passer Anna Williams, Panda, Bruce Irvine, Trouogre et Craig Marduk. Voilà. Donc on aura fait à peu près, il nous en manque 5, hein, je dirais. C'est ça, il nous en manque 5. Donc on verra qui sera classé 48e, qui sera classé 55e. Et on continuera ensuite par le duel des 3 victoires sans défaite. Voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez surtout pas à commenter, à partager avec vous, à vous abonner à la chaîne. Et on se retrouve donc la prochaine fois pour la suite des départages de ce mode survie. Allez, salut à tous et portez-vous bien, ciao.